Bonjour à tous, Azertirose pour les intimes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, c'est la tempête. On se retrouve pour découvrir une démo dans le cadre du NeoFest, du 9 au 16 octobre, vous pouvez tester plein de démos gratuites sur Steam, ça fait plaisir, et du coup moi à chaque fois j'en profite pour tester des jeux et voir ceux qui s'annoncent plutôt bien pour la fin de l'année et surtout 2024, et là on va découvrir Sentry, développé d'idée par Fireblade Software, logiquement ça sort dans pas trop longtemps, en tout cas en 2024, c'est un jeu de Tower Defense, donc défense de tour, défense de base, et c'est un FPS un peu nerveux où on va se battre dans un vaisseau, on va devoir défendre notre vaisseau, on va se battre contre des Zesra Cérestres. Ça se joue en solo, ça se joue à plusieurs, c'est sympathique. Dans la démo, on a le droit à deux missions. Est-ce qu'on prend... On va prendre quelque chose d'à peu près facile. Au début, vous pouvez choisir votre équipement, donc ça c'est bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements pour l'instant d'équipement. Alors... ça a beaucoup de dommages, beaucoup de précision, mais c'est assez lent. Et ça, c'est à peu près équilibré. Donc on va se prendre une petite arme. Donc vous voyez, hop, ça prend tout ça. Et ensuite, on peut se prendre un flog ou alors un équilibre avec 4 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors SMG, on peut se faire shotgun et SMG. Hein, ça peut être pas mal. Un shotgun, un SMG, ça évite de prendre un flog. Ensuite, vous pouvez choisir des déployables, donc les tours pour la Tower Defense. Des trucs qui donnent de l'armure, machin, des trucs qui tourent. Voilà, on va prendre des tourelles du plaisir, des tourelles de l'amour, des tourelles du sexe, le sexe inter sidéral. Ça, c'est quoi, recharge? A plate of the world that fair, sans physique blast, ouais, baby. D'accord, ok. Shockblade, ah, choc, c'est pas mal. En mode électricité, j'apprécie. On va prendre. Je pense qu'au fur et à mesure, on va gagner des choses. Et avec ces choses-là, quand on gagnera des parties, on pourra débloquer les cases manquantes, histoire d'avoir plus d'armes, plus de déployables. Et tout le bordel. Utility, on va se prendre une grenade. Et on va se prendre plus d'armure et réduit. Ok. Et ça, plus de défense. On va se prendre ça. On se déploie. On est dans le jeu. Je peux. Voilà, je suis là. Je peux changer d'arme. Je peux changer d'arme et je peux aussi, voilà, vous voyez, hop, j'ai deux armes et avec G, je peux envoyer ma grenade et j'ai surtout des points, vous avez 240 points, c'est ce qu'on va gagner quand on va réussir à tuer des ennemis, quand on va gagner des vagues et il va falloir tout simplement, on voit que dans 100 secondes, ça breach in, hein, vous voyez ça à droite, donc vous avez des vagues d'ennemis qui vous attaquent à des points, ma foi, aléatoires et là, on va se placher, poussez-vous, c'est aléatoire évidemment les points. On va se placer des petites tourelles, une tourelle comme ceci. Ensuite, est-ce qu'on s'en met une autre? Est-ce qu'on s'en met une plus petite? Oui. Et on va se mettre un petit shockwave en plein centre, histoire de d'électrocuter tous ces connards. C'est un jeu façon futuriste, et ça, ça fait plaisir. J'aime pas trop l'ambiance spatiale, l'ambiance espace, Elon Musk, tout ça. Mais j'aime bien l'idée quand même, j'aime bien l'idée. En plus, j'aime bien les graphismes, vous voyez, c'est tout smooth, on se croirait presque un peu sur un jeu PS2, mais ultra HD, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est très smooth, c'est plutôt bien. Ils peuvent attaquer à des points aléatoires, là c'est indiqué. Par exemple, moi quand j'ai joué en off, ils ont attaqué ici, là, enfin ici, là. Mais là, ils attaquent là-bas dans 40 secondes, voilà. On est pas mal, la démo, ça sera assez court, hein. Et ici, vous pouvez recharger votre vie et vos munitions, même si c'est limité. Et c'est surtout, ça va être jouable en coop, et ça, ça peut être pas mal. Voilà, j'en parlerai à Sulfury, big up Sulfury, avec qui on fait des lives quasiment tous les dimanches. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, on apprécie. Et voilà quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vas-y, on va faire enter, ils arrivent, ils attaquent. Ouh, vas-y, voilà. Et on récupère, vous voyez, ça loot, comme disent les Mexicains, ça loot des petites merdes. Voilà, et là je peux faire en mode, ok, je peux faire différents modes, rafale. Et là, un peu plus lent et ça a l'air un peu puissant. Ok, on a nos tourelles, on a les ennemis extraterrestres qui nous attaquent sur le coin du gland, là. On fait très attention, on récupère les petits points, les petits points, il y a une autre vague. Hop, grenade, voilà, grenade, on est bien. Je recharge même si ça sert à rien. Et là, je leur tabasse le sgeg. Attention, je crois qu'il envoie une grenade. Je leur tabasse le sgeg, je change en auto, même si ça dépense pas mal de munitions. Et là, on peut préparer nos défenses. Magnifique. On a récupéré ce qu'on appelle des points. Et ça, ça fait plaisir. Il va attaquer où? Il va attaquer là-bas, d'accord. Donc on fait attention, on repasse dans le mode comme ça. On va se mettre des tourelles comme ça. Ensuite,
Est-ce qu'on peut se mettre autre chose? On peut se mettre un shockwave. On se met un shockwave comme ça. On va recycler. Pour l'instant, c'est plutôt facile. Hein. Ils attaquent à un seul endroit. On va recycler celui-là. On va recycler celui-là. On va recycler celui-là. Comme ça, on récupère les points. Évidemment, les vagues sont de plus en plus difficiles. Ça fait très très mal à l'anus. Ça, c'est très classique. Et on va se mettre une petite tourelle comme ceci. Vous pouvez tourner les tourelles, vous voyez. Ah, oh, c'est beau. Oui, bah oui, bah oui, c'est beau. Et là, on va se mettre une petite tourelle comme ceci aussi. Et puis, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher des munitions? Hop, peut-être. Je récupère des munitions. Allez, je récupère les munitions. Hop, des munitions arabes. Est-ce que j'en reprends d'autres? J'en ai pas besoin. De la vie, j'en ai pas besoin. On voit qu'on a deux vies en bas à gauche et on voit aussi nos crédits. On voit nos points. Et ça c'est très plaisant. Ça fait grave zizir ma gueule. Ça fait très plaisir. Ok, on a des tourelles, on a des shockwaves. On va pouvoir hunter bridge now. Et puis voilà. Et puis on croise les fesses et on croise tous nos organes. On envoie une grenade au préalable. Voilà. Hop, on est pas mal. Ouais, le fusil à pompe c'est pas mal, mais c'est surtout s'ils sont nombreux et s'ils sont proches. Hein. Parce que sinon, il y a quand même un gros taux de perte blanche, de perdition. Ouais, c'est vraiment pour que ça soit prêt. Vous voyez, assez nerveux, assez sympa. Ça, j'aime bien. Une petite grenade avec le rebond, ça va aller en bas. Voilà. Ici, on détruit un peu tout ça. On recharge, on fait attention par où que ça bouge. Il y en a qui se prennent le shockwave, ça fait plaisir. On se fait attaquer par des sortes de créatures nazis zombies de la mort. On fait très attention. Voilà. À deux, ça peut être très sympa. Je récupère les petits points, les petits points. Ah, j'ai envoyé ma grenade carbondi. Ok, aïe. L'armure et la vie ont pris cher. Heureusement, nos tourelles tankent. Nos tourelles vivent la meilleure de leur vie. Et ça fait plaisir. Voilà, ok, préparez défense. Ils vont attaquer sur deux points. Ils vont breach on the deux points. Donc c'est là où l'intérêt de la coop va prendre tout son sens. Ou alors il faut être agile de partout. Et Dieu sait qu'on aime ça. On va se mettre une petite tourelle. On se remet une comme ça. Et on a plus de points. Donc là, ça va être un peu plus chaud. Je vais aller chercher de la vie. Ah, c'est pas la vie, c'est par où? Où que c'est donc? C'est par là. Je récupère de la vie. On a 8 vies, hein, à chaque vague qu'on réussit, on a des points en plus. Est-ce que je peux prendre des munitions? Oui, bon, on va s'en prendre quelques-unes. On est pas mal, j'aurais peut-être dû prendre le gros fusil. Après, s'il m'attaque, ah ouais, mon armure a pris cher, mais ça, c'est pas grave. Ok, mamie. Ici, on a 3 tourelles plus des shockwaves, donc ça devrait aller. On va plutôt défendre dans la zone. Voilà, j'envoie déjà une grenade au préalable, histoire de faire un boulot. Histoire de lui faire un boulot tout à fait judéo-chrétien, tout à fait sympathique. Hop, est-ce qu'on peut se mettre à un petit shockwave? Mais oui, on peut se mettre un shockwave. On se met un shockwave. On envoie une grenade et on va voir là-bas comment ça se trame. Ça a l'air de bien se passer. On recharge. Ici, comment ça va? Ici, bonjour monsieur, bonjour madame. Hop, prenez votre ticket, faites la queue comme tout le monde. On est bien. Voilà, ça meurt, c'est très bon ça. Ah, au secours Jean-Louis, est-ce qu'on peut se mettre un petit shockwave là? Ça se construit, ça se passe de commentaires. Ah là, ici, on va là. Et on est pas mal. Voilà, on est plutôt bien. Il faut quand même penser à recharger. Bon, bah c'est pas mal. Vous avez compris l'idée, vous avez compris le principe. Ouais, bah moi aussi. Ah, il est fort lui. Ok, final wave, prépare the defense. Là, il va falloir se préparer. Mais alors, comme la dernière des prostituées allemandes, quoi. Il va falloir bien se préparer. Donc, on va bien se préparer. Et l'échappe, elle sera là-bas. L'échappe, elle sera là-bas. Je peux pas prendre des munitions. Non. On est pas trop dégueu. J'ai combien? J'ai 174 points. Je peux remettre une tourelle en automatique là. Ici, on a des shockwaves. Et on va pouvoir remettre
un Brumblebee là, un comme ça, voilà, un comme ça là, voilà. Final Wave, écoutez, on va prier, il faut pas hésiter, hein, pendant la vague, il faut pas hésiter à se branler, non, il faut pas hésiter à mettre, à faire de la défense même pendant la vague, à renforcer la défense pendant la vague, et d'ailleurs, lui il est presque blessé, mais c'est pas grave, écoutez, on va prier très fort, on va croiser les fesses et tout ce qui s'ensuit. Stop the convoi. Ok. Ça a l'air de chier des bulles carrées. Ok. Ça va. Ça se passe de commentaires. Petite grenade. Pas mal. Ok, on est bien. On change de côté. Faut faire gaffe aux tourelles, hein, quand même. On fait gaffe aux tourelles, d'ailleurs on va en remettre une. On en remet une petite mignonne. Ici comment ça se passe? Vous allez bien? Ça a l'air d'aller. Ok, 80, on se recharge. On recharge ici. Parfait. Ah, je pense que la vague finale sera de l'autre côté à mon avis. Oui, ok. La grenade, ils ont détruit une tourelle. Mais tout va bien. Voilà. On a gagné, maman. Est-ce qu'on a gagné, maman? Papa, maman, je t'aime. Fais-moi des bisous. Nickel, voilà, on a gagné. Putain, on est beaucoup trop fort. Et bah c'est tout quoi, je suis beaucoup trop fort. Azertiran, numéro 1, roi des Français. On retourne à notre pod. Et voilà, on part. C'était Sentry, perfect victory. Pas d'ennemis sont échappés. On retourne au menu principal, c'est la démo. Ça serait dans la description si vous voulez la tester. J'aime bien l'idée, quand j'ai vu passer ça, je me suis dit putain, ça peut être très sympa, notamment en coop. Moi j'aime bien les jeux de tower defense, même si j'en fais très peu sur la chaîne. Il faudrait que j'en fasse plus, et en plus ça peut jouer en coop. Donc pourquoi pas avec Sulfury, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Gros bisous à tous, baladez-vous sur Steam, et à très bientôt. Salut, bye bye.